Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Sail, ouais, bienvenue sur cette troisième étape de The Ocean Race. On quitte le port, ça y est, on part vite parce que un tout petit peu à la bourre. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Et on quitte du coup le port de Captone, où on était depuis à peu près 15 jours. On y reste à peu près 15 jours. Et on part pour environ 30, 30, 35 jours de course. On va envoyer la grand voile. On part pour 30, 35 jours de course. Dans un lieu que j'adore. Enfin, dans une zone du monde que j'adore. Les mers australes, les mers du sud. Ça va être génial. On va en dérouler le numéro 4. On va sortir la toile. Hein. T'es déjà sur zone. Donc on est en live. Et du coup, voilà. On part. On quitte. On quitte le port. Prise de code 0, on envoie. Voilà, sachant qu'il reste environ, il reste un peu plus d'une demi-heure avant le départ, donc on va être bien, on va le faire. Hein. C'est bon, ne vous inquiétez pas. On envoie juste les voiles dans le port. Bon, ça c'est. Bah, je suis un habitué de ce genre de choses. Je le fais tout le temps en vrai. Mais vraiment, quand je vous dis je le fais tout le temps en vrai, c'est je le fais vraiment tout le temps en vrai. Donc. Alors que normalement, bien évidemment, on est censé affaler les voiles dehors, mais c'est trop dangereux, je trouve, personnellement. En fait, le risque en. Pour ceux qui savent pas, le risque en affalant les voiles dehors, c'est de passer à la flotte, tout simplement. Ou en. Envoyer, non, c'est moins compliqué. Mais affaler, c'est. Affaler, le risque de tomber, de faire une chute pendant la manœuvre est un peu plus grand. Voilà, dyno moteur avec les voiles. Voilà, c'est parti. C'est parti. Bon, on va. Voilà, les équipiers vont régler un petit peu. Ah, on est sur une course en équipage, donc. Il faut aussi. Ah bah oui, mais je crois que beaucoup de gens le font. Hein. Je crois que beaucoup de gens le font. Et voilà. 14 nœuds. On va quitter du coup le port de Captone avec cette. Ah zut. Petit retour Windows. C'est rien. Zut. Voilà, avec les fameuses montagnes de Captone. Les montagnes de Captone, très jolies. Oui, bah, comme moi, c'est In Forever. Pareil, j'ai quand même le moteur. Je garde quand même le moteur. Même s'il faut faire attention quand t'as les voiles et le moteur. Alors, si t'as un moteur inboard, c'est facile. Si t'as le moteur hors bord, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Voilà, bah, du coup, on se laisse là-dessus, les YouTube. Et on se retrouve bah, juste après bah, pour la suite. A tout de suite. Ah, ça y est, on sort du port de Captone. 18 nœuds, 21 nœuds. Voilà, au moteur, ça aide. Hein. Le moteur et voile, ça aide. Hein. On crée beaucoup de vent apparent, là, donc c'est cool. Bah, c'est pas très. Là-dessus, j'avoue, c'est pas très RP, mais bon, on n'a pas trop le choix dans Sail Away parce que les moteurs sont pas très puissants. Alors, en vrai, un moteur d'Imoca, c'est pas très puissant non plus. Hein. C'est des moteurs. C'est pas des bateaux qui sont faits pour naviguer au moteur. Donc, ils mettent pas des moteurs puissants, ça sert à rien, c'est trop lourd. Donc on met des moteurs au minimum de ce qui est légal quoi. Faut que ça puisse faire avancer le bateau contre le courant, mais voilà. Ah voilà. Alors par contre voilà, on entre dans la zone avec tous les autres bateaux, donc ça va commencer à devenir un peu compliqué. Voilà. Avec 14 nœuds, on ralentit un petit peu. Bah, du coup, on va cesser. Bon, on va couper le moteur. Voilà. On approche de la zone. On va couper le moteur. On va se mettre en mode comme ceci.
Et du coup, voilà, c'est parti. Et bah du coup, on se laisse et on se retrouve tout de suite dans la course. A tout de suite. 12h31, heure française. On est en train de s'approcher de la ligne de départ. On a une demi-heure du départ. On voit la ligne de départ juste là. Elle est juste au niveau de la jetée. La ligne de départ est juste là. Et en gros, l'idée pour l'instant serait de partir plutôt plutôt proche. Voilà. Donc on va voir. On a Core Team juste devant nous, un de nos concurrents, Core Team, qui a fini devant nous sur la précédente étape. On va voir si toute la concurrence est là. Alors normalement, je pense pas qu'il y ait Greenblade vu qu'il a abandonné la précédente étape. Grand Albatros, aussi un de nos concurrents, qui est devant nous aussi au général, donc la Core Team. Sailing Forever, non. Celui qui m'intéresse le plus, et on va essayer de le trouver. Alors s'il part pas, c'est quand même dommage. José Garcia qui est juste derrière nous au général. À un point derrière nous au général. Sachant que on est quatrième au général, je le rappelle. Après une deuxième étape compliquée. Après une deuxième étape compliquée, on est pas trop mal quand même au général. Quatrième. Avec 8 points d'écart, 8 points de retard sur le premier. Qui a quand même remporté, donc Atalaya qui a quand même remporté les deux premières étapes. Atalaya, je ne le vois pas. Bon. Je pense qu'il prendra le départ, hein, mais je vois pas où est-ce qu'il est. Là, on a Admiral. Bah, il y a du beau monde. Il y a du beau monde quand même. On va voir. Oh là. Bon, voilà, les petits sauts, hein, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. L'idée, là, on va continuer à... On va se positionner. Et puis, bah, dans 26 minutes, c'est le départ. Bah, du coup, on va cesser là-dessus. Puis, bah, on va se retrouver à peu près à 5 minutes du départ. Allez, à tout à l'heure. 4 minutes 40 du départ. On va... pas tarder à partir. Je suis toujours face au vent pour attendre un petit peu. On va essayer de rester à peu près stable. Je suis pas très loin de Core Team. Je vais faire un petit bord comme ça. On va y aller. On va pas tarder à y aller. 4 minutes du départ. On va aller se positionner. Ok. Oh là, ça part vite. Alors normalement, il y a pas énormément de vent, mais ça va quand même assez vite. Bah, 13 nœuds, c'est pas trop mal. 13 nœuds, c'est pas trop mal. Sachant qu'en gros, on va faire du plein ouest. Hein. On va faire du 2,70, grosso modo. Ouais, 2,72 à peu près. Je pense qu'on va rester en mode compas pour partir. À 3 minutes 10. Oh, les lags. Comme d'habitude, on en a l'habitude. Core Team qui semble pas vouloir partir pour l'instant. Je pense que moi, je vais refaire encore un petit demi-tour. Parce que là, on arrive vite sur la ligne. Et je regarde Core Team parce que, ouais, comme je vous disais, Core Team, c'est un de nos concurrents. Il est devant nous au général. Alors, bon... on est qu'au départ, hein. C'est une très longue étape, 35 jours de mer. Enfin, 30-35 jours de mer. En vrai, les premiers jours vont être importants, je pense. Mais ce qui sera le plus important, je pense que ce sera surtout les tout derniers.
Quand on va remonter l'Atlantique, ça va être quelque chose. Alors faut essayer de partir le plus bas possible sur la ligne. Oh le monde qu'il y a. Oh le monde. Il y a un monde de fou là sur la course. Vraiment il y a du monde de fou quoi. Après c'est l'étape la plus excitante de The Ocean hein. On va pas se le cacher. Moi c'est l'étape que j'attendais le plus hein, clairement. Vous savez que j'adore les mers du sud. Non, 1 minute 20 de départ, on y va. On y va, go. Une minute 10. Oh là là, les lags. Oh, c'est compliqué. Oh, que c'est compliqué. Ça, on espère vraiment que ce sera amélioré sur Sailaway 3 parce que... Mmh. 50 secondes du départ. Qui a eu le bug cause des lags. Toi. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. 40 secondes. Oh, oh Toria qui va faire un beau départ. Oh je le sens venir. Vingt secondes. Ouf. Treize. Dix. Ah c'est dur. Oh, c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 4. Oh, un peu trop tard. 3, 2, 1. Top départ de la troisième étape de The Ocean Race. Bon vent à tous. Ah, celui qui est parti là, celui qui a la voile de SpaceX, il a fait un très beau départ. Franchement, bien joué de sa part. Ah, moi je suis un peu déventé malheureusement. Je suis un peu en second rideau. Je suis parti en second rideau malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon vent à tous. 12 nœuds 7, voilà, on chope du vent un peu plus frais. Bon, voilà, les lags, hein, comme d'habitude. Ah, c'est même compliqué de manœuvrer. Là, j'essaye de l'offrir un peu pour rechoper de l'air. Rechoper du vent un peu plus frais. Mais c'est compliqué de manœuvrer. Ok, bon, ça a l'air de se stabiliser un peu. Ouais, malheureusement, on est parti en second rideau, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, bah du coup, on s'assure là-dessus, puis bon, on se retrouve un peu plus tard bah, pour la suite. Je pense que quand on va l'offrir. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite.
Ça va vite parce que on est déjà à la pointe. Et alors ouais, j'allais vous dire, Atalaya n'a pas pris le départ. Mais si Atalaya vient de prendre le départ, en retard, est-ce qu'il ne se serait pas lancé un petit challenge en mode, eh les gars, je pars dernier et j'essaie de vous rattraper? J'en sais rien. Alors malheureusement, on se fait un peu déventer par certains. Mais bon, maintenant on est parti. On remonte au vent, 61 degrés du vent. On remonte au vent. 11 nœuds. Ah, ça commence à ralentir, hein, c'est normal, hein, vu qu'on remonte plus vers le vent. Mais voilà, on descend vers le sud. Et voilà, le vent va être un petit peu comme ça jusqu'à 14h. Jusqu'à l'heure où moi je vais rendre mon quart. Et ensuite, les gars auront plus de vent. Enfin, je crois que c'est. Je sais plus qui est derrière moi. Ils auront plus de vent. Donc voilà. Et bah du coup on s'assied dessus, puis bah on se retrouve un peu plus tard bah, pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Parti déjà, et bah ça y est, on plonge vraiment vers le sud là. On fait encore du sud-ouest, hein, bon, on va en faire pendant un petit moment. Et on est à 35-34 degrés du vent, pas le choix maintenant. On est obligé, plus trop le choix, on s'est mis en mode vent du coup. Et voilà, on est 0,4 000 derrière les premiers, malheureusement ils ont réussi à vraiment bien partir. Bon voilà, comme vous avez pu voir, le départ était pas facile. Mais bon, on fait avec. Et voilà, maintenant on fait du 9-9-4. On est dans le dévent, malheureusement, du bateau qui est juste là. C'est pas pratique, c'est pas terrible. Mais on a quand même pas mal de bateaux derrière. Atalaya est loin derrière pour le moment. Bon, ça veut rien dire. Mais voilà, va falloir aller vite. Il faut aller vite pour aller dans le Grand Sud. Voilà. Pour aller chercher les dépressions du Grand Sud. Voilà, 36 degrés du vent, c'est très bien. Et voilà, et on dit au revoir aux montagnes. Aux montagnes de l'Afrique du Sud. On dit au revoir aux montagnes d'Afrique du Sud. Ah, j'ai l'impression que devant ils sont pas en mode vent. 206. Ah si, ça doit être en mode vent quand même. Ah, quoique, parce que ouais, devant ça. Ouais, si là-bas c'est lofé. Il y a juste lui là qui l'offre pas pour l'instant. Mais nous on va rester comme ça pour l'instant. Et on va rester comme ça, je pense. C'est plutôt pas mal. Au moins, on gagne vers le sud et on. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Bah, du coup, on va cesser là-dessus. Puis bon, on se retrouve un tout petit peu plus tard bah, pour la suite. Là, tout à l'heure. 13h25, heure française. On est repassé en mode compas parce que finalement, en fait, je voyais que je pointais un cap et je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, c'est juste que. Ce que je pensais être le cap qui était devant moi là, en fait c'est un cap encore un peu plus. Ce cap là c'est encore un cap un peu plus loin. Et du coup en fait il y a encore des hauts fonds un peu plus loin. Donc en fait je pouvais me remettre en mode compas et garder cap au 208. Et voilà, bon on a du coup j'ai perdu un tout petit peu, j'ai perdu de 0 à 1 000, bon en vrai ça va. Mais du coup ce qui m'a permis aussi de me recaler un peu dans l'est. Et ce qui est plutôt pas mal parce que du coup j'ai un peu plus de capacité d'abattre. Et je suis plus déventé. Donc ça c'est pas mal. Et normalement j'ai un peu moins de courant. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc ouais, bon, on descend vers le sud, toujours. On devrait atteindre les points plutôt sud dans. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc là on fait du 10-11 nœuds. Là il y a encore 3 000 pour arriver là. Que ces points-là, c'est du capot 208 dans 6 000. On y est dans une demi-heure, quoi. On est là-bas dans à peu près une demi-heure. Un peu plus d'une demi-heure. Non, un peu plus d'une demi-heure. Et puis après, bah, il y aura le point ici. Et ensuite, on sera vraiment parti. Et on verra qui fait quoi au niveau stratégie. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 stratégies. Mais on verra. On verra, on verra, on verra. Bon, on est quand même pas trop mal placé, hein. On est à 0,4 000, mais bon, on n'est pas trop mal placé.
Donc c'est plutôt pas mal. Et bah du coup on s'assied là-dessus et bah on se retrouve un peu plus tard. Voilà pour la suite. Allez, à tout à l'heure. 13h55, heure française, on est actuellement à 12 nœuds 2, un petit lag, voilà, nous avons 13 nœuds 4, on arrive bientôt à la pointe, là, vous voyez, on est au pied des montagnes du sud de Cape Town, on approche du point le plus sud, enfin, le point le plus sud, on est encore loin, hein. Il faut, en gros, on va passer, alors, pour moi, c'est la fin de mon quart, donc ce sera du coup Sahagun qui va prendre la suite. Mais en gros, il y a le point ici, et après, bah, la pointe sud, hein, le cap de Bonne-Espérance. Enfin, la pointe sud, ouais. Parce que c'est pas le point le plus sud. Le point le plus sud, c'est le cap des Aiguilles qui est un peu plus loin. Et qui est l'entrée officielle dans l'océan Indien. Donc le cap de Bonne-Espérance qui est ici, et le cap des Aiguilles qui est ici. Voilà, cap des Aiguilles ici. Donc voilà, ça sera le point le plus sud. Cap des Aiguilles, on n'ira pas vers lui, on le passera, mais très 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 au sud. Cap de Bonne-Espérance, normalement, on en passe pas, on va pas en passer trop trop loin, normalement. Et voilà, et donc du coup on est en train d'approcher deux petites pointes ici, je sais pas comment elles s'appellent. Et il n'y a pas le nom marqué sur Sailaway, donc bon, je peux pas savoir. Mais en tout cas voilà, on est toujours à 39 degrés du vent, 39-40 degrés du vent, ça remonte au vent. Et le vent est en train de rentrer, là on a 18 nœuds, et on va à 11 nœuds 3. Donc c'est pas trop mal. Bon malheureusement on a 0,4 derrière les leaders, mais bon c'est 0,4 hein, pour une étape qui dure 35 jours, c'est rien quoi. Ouais, 0,4, 0,5 000 derrière leader. Pour une étape de 35 jours, c'est pas grand chose. Pour une étape de 35 jours, c'est pas grand chose. Et maintenant, on rentre dans du vent, ça va aller vite. Et bah, on devrait avoir les premières options qui vont peut-être commencer à se dessiner dans l'après-midi. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Et bah, nous, du coup, on va cesser là-dessus. Et puis, bah, maintenant, on va se retrouver pour mon prochain quart qui commence à minuit. Voilà, je prends mon quart à minuit, heure française, jusqu'à 4 heures. Allez, bah, à toutes. Minuit 10, heure française, on est actuellement à 11 nœuds dans un vent de 13 nœuds 3, on a 42 degrés du vent. On est le plus à l'est par rapport à la route. On continue notre descente, il y en a qui partent plus dans... Atalaya qui est déjà revenu, mais c'est quoi cette vanne? Ouais, ok. Donc Atalaya qui est déjà revenu aux avant-postes. Mais qui a un décalage dans l'ouest par rapport à nous, qui a un décalage de 30 000 dans l'ouest. Ça s'écarte vachement. Tout le monde s'écarte vachement, donc c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est juste qu'il y a des options qui se tentent. Nous, on reste sur notre option là, un petit peu plus dans l'est. Choper le vent et aller choper le vent, essayer d'être le plus dans l'est possible pour aller choper le vent. Enfin, aller au plein sud pour choper le vent. Je pense que c'est une bonne option. Si je regarde les copains qui sont avec nous, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de gros noms. Rulse. Grand Albatros. Ah, si, il y a quand même Grand Albatros qui est pas loin. Il y a Grand Albatros, Conrad. Enslade. José Garcia, ok. Bon, José Garcia qui est un peu plus dans l'ouest. Qui a 13 000 dans l'ouest. Ok. Piche. Et Atalaya, ouais, ok. Atalaya qui, du coup, dans le sud, est déjà à environ 10 000 dans le sud, quoi. Par rapport à nous. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. On continue à 41 degrés. Normalement, mon quart, je devrais pas avoir trop de changements là sur tout le quart. Ça va être 40-41 degrés du vent pendant tout le quart. Donc voilà. Bah, du coup, on va cesser là-dessus. Puis maintenant, on va se retrouver vers 2h du mat, je pense, pour le prochain point. Je suis au-dessus de quart jusqu'à 4h. Allez, à tout à l'heure. 2h01, heure française. On est actuellement à 10 nœuds dans un 10 nœuds 2 dans un vent de 9 nœuds 9, pardon. 19 nœuds, c'est le vent apparent. Donc le vent a un petit peu tombé. Bon, on est à la bataille avec The Guri, avec Grand Albatros. Derrière, c'est pas des noms que je connais, malheureusement.
Il y a Aigle des Mers quand même. Oh, il y a un bateau qui fait route à l'est, Encelade. Oui, à l'est, c'est ça. Là, on retrouve Cortim. Donc, il y a quand même du monde qu'on connaît qui est pas si loin que ça. Au final, ouais, il y a Atalaya qui fait une option complètement à l'ouest. C'est intéressant de voir ça parce que bah, Atalaya, on sait que voilà, c'est toujours le. Il fait souvent des bonnes options, Atalaya. Et après, on retrouve ACDC. Alors d'ailleurs oui j'ai normalement j'ai quelqu'un d'autre qui me suit. Ah attendez, je cherche où est-ce qu'il est. Aigle des mers, non. Voilà, c'est Ignif Forever qui me suit aussi sur bah, avec qui je suis ami sur Discord je crois. Et il me suit peut-être sur Twitch aussi. Oui il me suit sur Twitch aussi. Qui est derrière du coup. Donc il va essayer de tenir la cadence. C'est sa première course, donc il va essayer de tenir la cadence sur un mois. Puisqu'on est parti pour 35 jours. Et donc voilà. Bon, normalement là, malheureusement, le vent pas trop fort, ça va durer encore demain. Demain, c'est encore du vent. Par rapport à ce que j'ai dit, j'avais mal regardé, mais on a encore du vent un peu faible demain. Et ensuite, on aura du vent fort qui rentrera dans la nuit suivante. Voilà. Nuit suivante, nous voir matin, au matin quoi. Donc ce sera cool. Ce sera cool, ce sera cool, ce sera cool. Voilà, 9, 9, 9. 10 nœuds. On arrive encore à tenir à peu près au-dessus des 10 nœuds, mais. Bah faut essayer de tenir. Hein. Faut essayer de tenir. 41, 2, 41, 42 degrés du vent, c'est très bien. Voilà. Nous on essaie de pas trop aller dans l'ouest pour pas perdre. Pour pas faire trop de route. C'est l'océan une option. Hein. De toute façon, d'après la météo, qu'on parte devant maintenant ou pas, derrière ça va retamponner. Ça va retamponner au niveau. Si j'ai bien vu. Attendez, je vais essayer de dézoomer. On va dézoomer. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas montré le parcours en vidéo. Je l'ai montré en live, mais je l'ai pas montré en vidéo. Donc en gros on est parti de Cap Town, on va à Itajaí au Brésil, donc vous allez me dire ouais, on pourrait juste traverser l'Atlantique, ouais mais non. Mais non sinon c'est trop simple. Donc on part ici. Et donc pour qu'on évite de descendre trop au sud, le créateur de la course sur Sailway, donc Fish, a mis des portes. Et donc voilà les portes qu'on voit ici. Et je crois que c'est pas ici où ça tamponne. Ça va tamponner je crois ici là. Et donc là, même si t'es devant, ça va retamponner derrière, quoi. Ça va revenir par l'arrière. Et donc voilà, les portes à respecter. Et ensuite, voilà, le Cap Horn et l'arrivée qui sera jugée ici à Itajaï. Voilà. Et bah du coup, on va cesser là-dessus et maintenant, on va se retrouver. Bon, je pense vers 4 heures, de toute façon il se passe pas grand chose, on reste à 41 et 42 degrés du vent, donc il se passe pas grand chose. Donc on va se retrouver vers 4 heures pour le prochain point. Allez, à tout à l'heure. 4 heures en française, on est actuellement à 7 nœuds 1 dans un vent de 7 nœuds 2. Ça file, c'est cool. C'est cool, enfin ça file. Ça a bien tombé quand même, un peu depuis tout à l'heure, ça a quand même bien tombé. Mais ça a l'air d'être le cas pour à peu près tout le monde, donc ça va. On est bord à bord avec nul. On est 4000 plus au nord de Conrad et de José Garcia. Donc tout va bien. Tout à l'heure on avait 10 000 je crois de retard sur Atalaya. On va regarder un peu là tout de suite. On a gagné sur Atalaya. Quasiment sûr. Ouais, on a gagné sur Atalaya, 5,1 000. Donc on a gagné sur Atalaya, donc ça c'est cool. Et voilà, on a 6-7 nœuds, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et bah du coup on va cesser là-dessus et maintenant on va se retrouver. Ouais, je vais tout de suite vous laisser parce que bah, je vais donner la barre là tout de suite. Et on se retrouve bah, à 8 h pour la suite, puisque je reprends le car à 8 h. Allez, à tout à l'heure. 8h17, heure française. On est actuellement à 8 nœuds 2 dans un vent de 8 nœuds 1. Alors, moi, je suis un petit peu à la bourre sur l'enregistrement parce que j'ai mon
PC enregistrant qui bug un peu. Donc bon. On est à 8-2 et on fait route au sud-est. Ça y est, on prend de l'est. On a viré de bord. Enfin, Sagoun a fait le virage de bord pas longtemps avant que j'arrive. Et maintenant, bah c'est parti. Enfin, pas longtemps. Enfin, ni si, en fait, si. Un petit moment quand même. Je crois que c'était. Non, je crois que c'était pas longtemps après avoir pris la barre. En gros, vers 4h30, je crois. 4h30, 4h40. Il est parti vers l'est. Et bah du coup, c'est parti quoi. Du coup, c'est parti. Alors, ça va pas très vite pour l'instant, hein, 8, 9 nœuds, mais ça devrait monter dans les prochaines heures. Et c'est une position qui est pas trop mal. Alors, le problème, c'est qu'on est un peu plus lofé que les autres, enfin que certains. Mais l'avantage, c'est qu'on est déjà pas mal dans l'est, quoi, par rapport à certains. Bon, Atalaya, je pense que voilà, j'étais quasiment sûr que c'était lui qui était ici. Bingo, c'était sûr. Atalaya est bien parti, sauf que derrière on a. Bon, ça je connais pas. Conrad ici. Ospringer, alors là ça bat plus fort. La barre Kapoum, ça je connais un peu. Mais je pense qu'on est pas trop mal si on regarde. Nitel, Saying Forever. Oh, Saying Forever qui me suit, hein. Qui tente toujours de. Ah, Grand Albatros qui repart vers le. Vers le sud-ouest. Sud, oui, c'est ça, du sud-ouest. Ok, intéressant. Et nous, on continue à 40 degrés. Sur une mer plate pour l'instant. On n'est toujours pas rentré dans les 40e. On est par 36 sud. Donc on n'est pas dans les 40e. Mais ça sera normalement, je pense que pour la nuit prochaine. Je pense soit la nuit prochaine, soit demain matin. Je pense. J'ai pas regardé, j'avoue, j'ai pas regardé vraiment le moment du passage. Mais ça devrait aller relativement vite. Pour l'instant, on n'est pas encore embêté par une zone de discussion. Mais bon, de toute façon, les routages ont pas l'air de trop nous faire y aller. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Et bah du coup on va s'asseoir là-dessus et bah maintenant on va se retrouver vers 10h je pense pour le prochain point. Allez, à tout à l'heure. 10h31 heure française, on est actuellement à 5 nœuds 3 sur le fond. Sur l'eau et 6 nœuds sur le fond. Donc on a du courant qui nous pousse, c'est cool. On file vers le sud, 42 degrés du vent. Cap au 145. Et surtout, bah là, on va pouvoir commencer à abattre normalement. On va pouvoir commencer à abattre. J'avoue que j'ai pas regardé normalement. Attendez, je vous dis ça parce que j'avoue, j'ai même pas regardé. Tout à l'heure, j'ai regardé, mais là, j'ai oublié les chiffres. Donc, je regarde et je vous reviens. À tout de suite. Donc, on va faire un cap au 143 en mode compas parce que. Le vent tourne, donc on va faire un cap au 143. Pour faire la route. 143, route fond. Ok, parfait. Ouais, sinus 6, et du coup maintenant on est à 48 degrés du vent. Donc ça va commencer à. Ça donne au fur et à mesure. Normalement, cet après-midi, on sera. On sera au reaching vers 90-100. Même, on va même monter à plus de 100 degrés du vent normalement. Donc, ça devrait commencer à être sympa. Ça devrait commencer à être vraiment sympa. Voilà, normalement, on est comme ça jusqu'à à peu près 11h30. Et ensuite, on part encore un peu plus vers l'est. Voilà, maintenant on gagne vraiment vers l'est. Hein. On est par 18S. Bon, on est encore loin, 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 loin. Itajaï. Bah, Itajaï, c'est à l'ouest déjà. Mais Itajaï est encore très, 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 très loin. Très, 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 très loin. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, enfin.
Déjà là, le premier. C'est-à-dire que le premier point, ce sera la porte, la première porte là. Ensuite, ce sera franchement le Cap Lewin. Quand on passera le Cap Lewin, on se dira, bon, on a bien avancé. Après, il y aura la Tasmanie, l'entrée dans l'océan Pacifique. L'antémérédien qui sera important, parce qu'on sera à la moitié du tour du monde et on sera de l'autre côté de la Terre. Et après, il y aura le Cap Horn, qui sera pour moi un des moments les plus importants. Alors qu'on est repassé à 37 degrés du vent, le vent tourne un petit peu. Alors qu'on est vachement décalé, n'empêche, niveau courant, on fait une route. Le bateau pointe au 147 et nous on fait au 243. Et sur le fond, on fait au 243. Il y a du courant. Il y a du courant fort. Pour être autant décalé. Ah, il y a un nœud de courant, quoi. Il y a un nœud de courant. Mais qui doit. Enfin, on est décalé d'un nœud, mais il n'y a peut-être pas un nœud de courant. Il y a peut-être un peu plus. Ah, quoique, non, bah, non, non, non. Il y a un nœud de courant à peu près. Et qui nous décale notre route. Voilà. Bah, du coup, on va se laisser là-dessus. Et puis, bah, on va se retrouver maintenant vers 11h45, 11h50, bah, pour le. Juste avant que je passe la barre. Et du coup, pour la fin de cette journée de navigation. Allez, à tout à l'heure. 11h53, heure française. On est actuellement à la vitesse de 10 nœuds 6 sur le fond. Dans un vent de 7 nœuds 6. On a bien accéléré quand même, c'est cool. On fait cap au 140, au 134, pardon. Normalement, il faut faire 135 par contre. Je suis toujours en mode compas parce que le vent tourne au fur et à mesure qu'on avance. On est à 70 degrés du vent là, donc le vent tourne au fur et à mesure. Donc je reste en mode compas. Et bah voilà, on accélère. On accélère au-dessus des 10 nœuds, c'est plutôt cool. Alors malheureusement, Atalaya, je pense qu'il a déjà chopé le vent. Nous, on va le choper dans la soirée. Donc ça devrait, voilà, assez vite après. Et les derniers gribs que j'ai regardés, là, nous donnent une arrivée de l'autre côté de l'océan Indien, vers le 6 mars à peu près. Donc très rapide. Enfin, assez rapide. Et avec toujours du vent. À partir de ce soir, en fait, normalement, on aura toujours du vent. Alors plus de près déjà, que du portant. Et toujours des bonnes vitesses quoi. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais bon, pour l'instant on file. Pour l'instant on file sur ce cap là. Et puis bah, ce soir on touchera le vent plus fort. Voilà. Et bah du coup c'est la fin de cette première journée de navigation. Du départ et de la première journée de navigation. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pendant les prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, en live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post-communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou par live sur Twitch. Et à demain, du coup, pour la suite de cette aventure sur cette troisième étape de la The Ocean Race. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.